18 septembre 2002, en ma qualité de ministre des Sports et des Loisirs, je me trouvais à Boaké pour présider le tournoi de l'UFOA. Qu'aujourd'hui, Boaké a joué sa partition dans la recherche de la paix. Qu'aujourd'hui, Boaké s'inscrit véritablement dans la politique de réconciliation prônée par le président Alassane Ouattara. Nous devons nous y inscrire, nous également, en encourageant tous ceux qui avaient quelques craintes à venir à Boaké, tous ceux qui ont en mémoire encore les moments tristes de la ville de Boaké, que tout cela fait partie du passé, qu'aujourd'hui Boaké est une ville à l'image de la Côte d'Ivoire, une ville qui se construit, une ville qui vit dans la réconciliation.